Riche de 93 pages, Maman qui sommes-nous est une pièce théâtrale d'un seul acte écrit depuis des lustres par le comédien fidèle à Nathan, alias le Baobab. Je peux dire que ça fait une année, il y a 15 ans de cela. C'est donc comme un exercice d'école parce que j'ai fait des stages d'écriture dramatique contemporaine. J'ai été auditeur libre pour certains stages, j'ai été aussi directement formé, stagiaire direct. Et des suites donc de ces formations, j'ai voulu capitaliser quelque chose. C'est ainsi que j'ai écrit « Maman, qui sommes-nous ?». Mais en fait, à l'époque, ce n'était pas « Maman, qui sommes-nous ?», c'était « Lettre », le titre de cette pièce. Et c'est 4 ans plus tard que j'ai retoilété et c'est devenu « Maman, qui sommes-nous ?». Donc l'écriture m'a pris une année. Face à la division à laquelle les familles sont exposées aujourd'hui, l'auteur vise un objectif bien précis en écrivant ce livre. Donc c'est pour que les couples se portent mieux. Parce que si nous regardons le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de filles mères, il y a beaucoup de familles divorcées. Un État qui a à sa base, donc, qui est composé de familles disloquées, sera un État déchiré au sommet, déchiqueté au sommet, un État qui n'aura pas la paix. Or, nous recherchons la paix pour le monde, nous recherchons la paix pour le Bénin, pour son développement matériel, qui passe forcément par le développement social, qui donc est induit par l'équilibre des familles, la joie dans les familles, le lieu où on va cuire des enfants de demain. Le couvent des enfants de demain. Il faudrait que la chaleur maternelle et paternelle soit de mise pour que les enfants soient de bons enfants et soient des citoyens pour demain et de grands dirigeants pour demain. Cet ouvrage vient donc apporter sa pierre à l'édifice du bien-être de la famille. Les sentiments sont unanimes du côté des participants à cette cérémonie. Très belle impression. Je suis d'ailleurs très heureuse que mon jeune frère ait pensé à moi. Vous savez, le champ, le domaine de la famille est tellement vaste qu'il y a différents chantiers et en ce sens, une seule hirondelle ne pourra jamais faire le printemps. Mes impressions sont très heureuses. Maman, qui sommes-nous est paru aux éditions SDD. Son premier exemplaire a été emporté au prix de 290 000 francs CFA à la suite d'une vente à l'américaine.